Un mouvement qui devait être à 9,40, 9,50. Alors, Isabelle Severino. Elle n'a pas été particulièrement performante, mais c'est son retour. Hein. Alors donc, on excuse tout. Hier, lors du concours général, elle n'est que quatrième du championnat de France. Mais en revanche, au sol, elle est toujours émouvante et éclatante. Ouais, tout de suite, grosse acrobatie, Vris Altoria Corta. Elle n'a pas changé ni sa musique, ni sa chorégraphie. Le vrai ennemi, percutait salto avant. Beaucoup de personnalité, ce qui rend son mouvement encore plus esthétique. Dernière pause respiratoire avant la finale acrobatique de son exercice. Flip et triple vrille. Aïe, Isabelle a manqué un petit peu sur cette dernière diagonale et il manquait un petit quart de tour. Dommage, mais on va l'encourager très fort. Mais le public lui réserve une belle ovation parce qu'il sait quelle difficulté on a lorsqu'on... Ah, elle est félicitée par Ludivine Furnon, tiens. Et puis son entraîneur, donc... qui doit lui dire, ben écoute, c'est bien parce que ça fait que 2 mois, je crois qu'elle revient au plus haut niveau après avoir pris certaines détentes. C'est-à-dire qu'elle a préparé son bac, qu'elle a passé au mois d'octobre, et donc un petit mois, tout petit mois de reprise, et il faut beaucoup de courage pour revenir au plus haut niveau dans ces périodes un petit peu contraintes dans le temps. Alors c'est vrai qu'elle est devenue...